Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Shadow of War sur PC. On va tout de suite continuer. On s'arrêtait ici après avoir conquis le fort. Donc on va aller à la prochaine quête principale. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que oui. Allez, on y va. Conquête. Fort de Sharksburg à Nunern est à vous. Ce n'est cependant pas que la première bataille de la guerre pour le Mordor. Pardon, forteresse reste. Il y a un truc que j'ai failli oublier de te dire. Maintenant que tu as mon fort, il va bien finir par se faire attaquer. Ça, c'est quelque chose, vu que tu l'as attaqué toi-même. Beau boulot, au passage. Le truc, c'est que rien t'oblige à rester en défense. T'as des éclaireurs qui peuvent repérer les forts ennemis pour que tu puisses les attaquer. Tu sais ce qu'on dit ? La meilleure attaque, c'est une bonne attaque. Et t'en fais pas trop si jamais tu manques d'orques. S'il te faut des recrues, tu peux aller voir un globe qu'on appelle le chasseur de tête. Il t'enfilera. Oh, Shrek ! J'ai oublié de remplir la gamelle de rôdeur en partant. Il va être grognon si j'y retourne pas. Et j'arrive, rôdeur ! Hop, conquête en ligne. D'accord. Sur ce jeu, je joue pas en ligne de toute façon. Donc je m'en fous un peu. Bon, je vais quand même voir ce que ça donne, si je suis obligé de me connecter ou pas. Comme je suis en train d'upload en même temps, je risque de laguer, donc je vois pas trop l'intérêt. Puis tout ce qui est online sur ce jeu est pas très intéressant. J'espère que vous travaillez plus vite que vous marchez. Hop. Je crois que ça marchera pas. Hein. Je me demande même si ça va pas faire bugger. Je crois que ça va faire bugger, ouais. Ah, j'aurais pas dû. Bon, je reviens, je dois lancer le jeu. Voilà, me revoici, donc on sait comment on va les faire, ces quêtes. Hop. Les fosses de combat sont idéales pour éprouver la force de nos orques. C'est vrai. J'espère qu'il y aura une place pour nous. On va voir ça. Fosse de combat. Chaque forteresse dispose d'un camp d'un terrain d'entraînement, mais rien n'est plus efficace que les fosses de combat pour permettre aux orques d'améliorer leur aptitude. Boris en est l'expert. De combat. Tu sais, c'est bien plus qu'un endroit où on fait sauter des têtes. Même si j'avoue que je me lasserai jamais de cet aspect. C'est aussi là que tu peux éprouver tes partisans, pour voir ce qu'ils valent face à un autre Gugus. Il y a toujours des orques costauds à combattre, et si ton copain survit, il en sortira plus fort. Si casse sa pipe, bah, ça veut dire que le gars en face a du cran. Ça peut te faire une bonne recrue. Et peu importe le résultat, tes gars vont adorer le spectacle. Rien de tel pour le moral qu'un cadavre à terre. Tu fais honte à tous les gens, espèce de sale traître. J'adore ça. Regarde ça. Là. Un peu de grog, pas mal de rire, beaucoup de sang, et encore du grog. Ah, j'adore les fosses de combat. Ouais, bah c'était rapide. Fosses de combat, d'accord, vous pouvez revenir. D'accord.
Très bien, très bien. Nouvelle région. Deux nouvelles régions. Oula. C'est où ici? D'accord, pas de froid. Quelque chose là ou pas? On va voir ce que ça donne rapidement les feux de combat. Les deux fils, ça, oui, ça en ligne. Pas grave. Comment tu fais le mort? Une fois mort! Je combats pour le Seigneur! Montre-moi ton... J'espère que tu... C'est stylé les fights comme ça. Et voilà, niveau 24. Ça c'est le lard. On va faire celui-là là-bas. Je suis niveau 24. Level 25. Non, je suis pas encore assez au level pour le faire. Tant pis, tant pis. Ça, je peux pas encore. Alors, par où on va aller? Qu'est-ce que c'est que cette map? D'accord, on va aller là. À Targorgoroth pour affronter le... Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Le Balrog, voilà. Si je viens de but, c'est les trois dernières régions. Enfin, c'est les deux dernières régions, celle-là. Je crois, hein, je ne suis pas sûr. Ok. Y'en a que deux des points, là? Ah, là, y'en a trois. Bon, vous savez comment ça va se passer. Je vais faire une petite ellipse et je vous reprendrai pour les collectibles le temps de clear la zone. Je reviens. Premier artefact. Il existe une vérité fondamentale au Mordor. Les orques y vivent depuis bien plus longtemps que les hommes, et même depuis plus longtemps que le Seigneur des Ténèbres. Cet endroit leur appartient, et à leur façon, ils rendent hommage à leur passé. Nous avons trouvé cette épée dans un sanctuaire, aussi grossier fut-il. Mais imaginons ce qu'il pourrait advenir des orques et du Mordor une fois libérés de l'emprise du Seigneur des Ténèbres. Minas Sithil abritait bien des trésors beaucoup plus grandioses que ce collier, mais aucun ne m'était plus précieux. Quand j'étais petite, je m'introduisais dans la grande salle et sortais ce collier du meuble où il était enfermé. Le loquet tenait mal, mais seule une main d'enfant pouvait l'atteindre. Pendant des heures, je m'admirais dans le miroir en m'imaginant en élégante dame du Gondor, comme ma mère l'était sûrement. Mon père a fini par me surprendre, mais je n'ai été punie que par un serment. Cela ne le dérangeait peut-être pas de voir sa fille dans de beaux atours. Les Analectes de Ruvenir sont un recueil de conseils d'un bretteur gondorien du temps jadis. L'ouvrage comprend une série d'exercices qui, il le garantissait, permettaient de gagner n'importe quel duel. Comme tous les jeunes soldats du Gondor, j'ai longuement étudié les Analectes, et j'ai appris deux points essentiels.
Premièrement, Ruvenir était sans doute meilleur à l'épée qu'à la plume. Et deuxièmement, à son époque, les duellistes étaient nettement plus courtois que les orques du Mordor. La guerre n'a que faire de ce genre de mondanité. Il n'y a pas de nains au Mordor. À première vue, ce pays pourrait sembler leur convenir. Il ne manque ni de pierres à tailler, ni de minerais à extraire. Ce bouclier appartenait à un nain d'une autre époque qui s'est bel et bien rendu au Mordor, mais pas en tant qu'artisan ou mineur. Maintenant que Minas Ithil ne peut plus contenir les orques au sein du Mordor, les nains vont devoir poser marteau et burin pour reprendre leur bouclier. Je n'ai pas peur des orques, mais au plus noir de la nuit, j'avoue que leur tambour m'effraie. Un orque peut être vaincu au combat. Les murailles peuvent l'arrêter ou la ruse en venir à bout. Mais le grondement sourd des tambours, aucun artifice humain ne saurait l'interrompre. Ces tambours sont le cœur qui bat dans leur fabrique, et chaque battement marque l'avancée implacable des orques. Nous nous sommes emparés de ces tambours au cours d'un raid, et je les ai enfermés dans la grande salle pour qu'aucun orque n'en joue plus jamais. Il y a même de la beauté dans la violence. Mais il n'y a aucune beauté dans la tyrannie, dans le règne d'un seul être. Pas des armées, mais de la volonté de se sacrifier, d'attendre. C'est la vérité qu'il m'a enseignée. J'attends donc. Nous ne savons que peu de choses des Aradrim, hormis quelques contes populaires. On dit que ce sont des guerriers féroces et impitoyables, aussi cruels que les orques et aussi sévères que les montagnes du sud qui les séparent de nous. Ces histoires sont parfaites pour inciter les enfants gondoriens à se tenir tranquilles, mais elles ne correspondent guère à ce que je vois chez le seul Aradrim de ma connaissance. Baranor. Certes, il est féroce au combat et sévère quand la situation l'exige, mais cruel ? Jamais. Elfes, Sauron estime la connaissance plus que tout au monde. Mais pour lui, c'est une chose froide et dure. Il croit que la liberté est une vertu vide de sens. Il croit que la terre du milieu aspire à la perfection. La coutume a longtemps voulu que les habitants de Minas Ithil offre une amphore d'eau ou de vin à tout visiteur franchissant nos murs. De tels voyageurs étaient rares, et plus encore ces derniers temps. Après avoir marché jusqu'à la frontière, les nouveaux venus étaient toujours assoiffés. Mais quand nous en avons réellement eu besoin, aucun visiteur du Gondor n'est arrivé à nos portes, assoiffé ou non. Mais en perdant bien des choses à jamais. Mais en perdant bien des choses à jamais. Mais en perdant bien des choses à jamais. Cette déclaration d'intendance, qui ressemble à un texte législatif sans grand intérêt, est en fait l'un de nos documents les plus précieux. Le Gondor est un royaume régi par la loi, et non par des décrets royaux. Depuis la disparition des Harnur, notre dernier roi, le Gondor prospère sous l'autorité des intendants souverains, seigneurs de Minas Tirith. La fonction d'intendant est héréditaire, et ses décisions ont force de loi. À moins qu'un roi revienne un jour s'asseoir sur le trône du Gondor. Mais même dans ce cas, je ne sais pas à quoi nous servirait un monarque, à part à réchauffer le coussin du trône. Voilà, me revoici après avoir un peu clean toute la zone. Et j'ai bien XP aussi, je suis niveau 41. Et on va pouvoir aller là, que je crois que j'ai fait pas fait la bonne ordre, la bonne zone. Alors, elle observe... tapis, puis se déchire, mais notre puissance raison ne cède pas face à leur rage, notre armure soigneusement forgée aux assauts des remparts des ténèbres, aussi brutaux et terribles soient-ils, rien n'aura... Non, merde. Rien n'aura... Sens ne se pas face à la rage.
C'est plutôt été sorti. Aux assauts des puces. Aux assauts. Ouais. Bah c'est raison ici. Elle observe. Tapis puis se déchaîne. Trop puissance. Ouais. Tramure soigneusement forgée résiste. Assaut des remparts. Je vois pas du tout. Normalement c'est bon. Attendez, je vais voir ce qu'il en est. Bon, je l'ai apparemment, c'est l'autre rempart et raison qui sont inversés. Bon, c'est bizarre. J'aurais pas dit comme ça. Donc on fait une vidéo plus courte à ce niveau-là. Alors hop, le chronomètre qui bug à chaque fois. Elles observent tapis, puis se déchaînent. Mais notre rempart ne sert pas face à leur râle. Notre armure soigneusement forgée résiste aux assauts des puissances des ténèbres, aussi brutaux et terribles soient-ils. Rien n'aura raison. Seigneur de lumière. Ça c'est nice. Bon, on va mettre l'ensemble. Hein. Alors, la suite. Voilà. On va aller là pour prendre la forteresse. Je pense qu'on va pas faire plus long que ça. Là. J'ai des choses à faire. Je peux pas mettre la vidéo en pause. Parce qu'il va tout faire bugger. Donc on verra combien de temps ça prendra. Si c'est rapide. Voilà quoi. Et là, c'est. En fait, ici, c'est la dernière zone. Je l'ai fait dans le mauvais sens. C'est pas grave. Hein. Ça, c'est un 32. Ça, c'est un 35. Ça. Ça. Ça, s'il reste pas grand chose, j'ai tout détruit ici. C'est au niveau 45. Bah voilà. Parti. Les gars sont prêts!
Et même plus que prêt. La campagne glorieuse du Seigneur de Lumière ne fait que commencer, les gars. Offrons-lui son deuxième fort. Et surtout, ne faites aucun prisonnier. Let's go. 4 points capturés. Est-ce qu'elle doit être longue celle-là? Merde, ah, c'est... celui-là c'est vrai que c'est compliqué. D'accord. C'est bon, hop. La place est capturée, je crois. Pensez. Non, pardon, désolé. Hop, pincé. Et au dernier. Et voilà, dernier point capturé. Allez, toi, on va te tuer. Ce qui est bien, c'est que on peut même capturer les chefs de guerre, j'ai réussi à capturer un tout à l'heure. Et voilà. C'est parti.
le chef suprême. Sire, la vermine se faufile dans ma salle du trône comme le rat qu'elle est. Oula! Ah merde. Je veux le capturer. Ah non, bah je l'ai acheté, je crois. Ça va. Tu vas me le payer. Voilà, il devrait, ça devrait être bon. Tu es à mon service. J'attends tes instructions. Reste sur tes gardes. De l'ennemi qui s'enfuit. En nous voyant triomphant, ils tremblent de peur, car ils savent que nous viendrons les achever. L'aube se lève sur le Mordor. L'aube se lève pour le Seigneur de Lumière. Forteresse conquise. Vous avez conquis Gorgoroth. Quand je dois renommer un chef suprême, je viens d'en avoir un. Ouais, chef suprême. Et voilà. Combat de l'arbre ici, ok. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo hein, comme je vous ai indiqué.
Dans la prochaine, on fera cette quête là, le Carnan. Je vais juste tester un petit coup la fosse de combat pour voir ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était Tosted, prochain type HD. Passez une bonne journée, bonne soirée et vive les jeux vidéo.